On est déçu, pas abattu, mais déçu parce que ce soir, on avait encore livré une belle partie, on avait fait ce qu'il fallait pendant la majeure partie du temps. Malheureusement, encore une fois, dans un moment crucial, Tottenham a su faire la différence. C'est la plus grosse déception depuis le début de la saison. Oui, parce qu'à l'actuel, mais il y a eu quelques moments pénibles aussi ces derniers temps où on avait enchaîné les défaites et on a su relever la tête. Ce soir, c'est décevant. Le résultat est décevant, mais la manière en soi est plutôt rassurante pour la suite de la saison parce qu'on a rencontré une très très belle équipe qui fait un super parcours en première ligue. Et voilà, j'espère que ça nous servira et qu'on engrangera de la maturité, de l'expérience pour l'avenir. Ça s'est joué à rien. Hein. Mais les qualifications se jouent à rien et ce soir à White Hart Lane c'était pas avec nous. Donc c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, ça se joue souvent à rien et il faut que ce petit rien justement soit avec vous pour passer. Ce petit rien c'est l'expérience ce soir par exemple ? Je sais pas, je sais que tout le monde pose la question par rapport à l'expérience. L'expérience ça s'acquiert. Et on a des joueurs qui sont certes en devenir, mais qui ont quand même des matchs dans les jambes. Donc je mettrai pas ça sur le dos du manque d'expérience. Le plus dur, ça va être de relever la tête maintenant. On va relever la tête, il n'y a pas de souci. À chaque fois qu'on a été dos au mur, qu'on a eu des moments compliqués derrière, on a réussi à répondre présent. Quand on a pris une claque à Toulouse, quand on a perdu contre Lille à domicile, à chaque fois derrière, on a réussi à rebondir.